On va planter les fraises. Fraises, salades ou encore plantes aromatiques sont autant de produits cultivés par les élèves de 6e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der dans le cadre de leur projet « De la terre à l'assiette ». Une initiative mise en place par David Noireau, professeur de SVT au collège d'Hervois, en collaboration avec l'ADASM de Puy-le-Montier. L'idée, c'est que les élèves de l'IME expliquent à mes élèves de 6e d'où viennent ces plantes, à quoi ça sert, etc., quels fruits ou légumes ils vont donner. Mes élèves vont donc planter ces semis dans leurs bacs respectifs. Chaque classe va avoir leur bac et ils vont devoir s'en occuper jusqu'à la récolte, c'est-à-dire jusqu'au début juillet, là, où ils vont voir arroser, désherber et puis entretenir leur bac. Ce projet permet également de rendre plus vivant le programme de SVT sur le cycle de développement des végétaux. Le but, c'est de les responsabiliser déjà, leur montrer que ce qu'ils vont avoir dans l'assiette demande du travail, demande de la collaboration de plusieurs personnes, de plusieurs métiers. Un projet collaboratif, riche en échanges et en apprentissage, qui semble plaire aux sixièmes. C'est intéressant de planter, de découvrir il y a quoi dans les... comment ça se produit. Comme ça, moi, on sait ce qu'on a dans notre assiette, on sait que c'est des produits frais. Qu'on a planté. Ouais, voilà, qu'on a planté. Et comme ça, au moins, on sait d'où ça vient, on sait que c'est bon pour la santé, pour notre corps. Du coup, puisqu'on a planté les plantes, qu'on les a arrosées pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines, ça nous empêche un peu de gaspiller beaucoup. Par la suite, les élèves devront, avec leur récolte, confectionner un menu pour la cantine scolaire.